Alors, l'objectif du jour, je vais retrouver ma copine Nadia. Ensuite, je vais essayer de m'acheter un t-shirt. Et puis, en fait, après, je ne sais plus. Ah si, je vais bosser, mais je vous raconterai. En fait, la pub derrière moi ne fait pas ironique du tout. D'ailleurs, je vais peut-être enlever. Ah oui, c'est quand même bien plus agréable comme ça. Donc, oui, je vous disais tout à l'heure qu'en fait, je vais bosser aujourd'hui. Alors bon, c'est rien, hein. En fait, c'est une mission de 2 semaines et donc je finis là le 14 avril. Mais j'ai trouvé un petit truc et franchement, c'est ultra reposant. En fait, c'est de l'accueil en entreprise. Sauf que là, comme les locaux sont en train de déménager, en gros, je suis une jolie plante verte. Alors les gens sont sympas. Et l'ambiance est super super calme, mais je peux dire que je vais bosser, wouh! C'est un foutu soulagement. Alors par contre, je pourrais pas filmer quand je serai sur place parce qu'il y a le nom des sociétés et tout. Et bon, j'ai pas tellement envie que les gens puissent voir ça directement, vous voyez. Bon, sur ce, je vous dis à tout à l'heure parce que là, j'attends ma pote. Et je sens que je vais poireauter. Enfin, peut-être pas très très longtemps, mais... Je sens la douille venir. Alors, première tentative chez Promode. Pas de t-shirt. Sans réception. Oh là là, j'espère que mes cheveux vont sécher vite. Non, franchement, là, ça va être chaud. Et ce truc est affreux, mais bon, que voulez-vous, j'y peux rien. Bon, ben, on va essayer une autre boutique. Hein. Bien. La quête épique du t-shirt a été remplie. Chez Célio. Ouais, j'ai trouvé 2 t-shirts en promo pour un total de 12 € et quelques. Bon, c'est pas mal et j'aurai l'air pro. Yay, il y a même une petite poche devant. Bon, bah du coup maintenant j'attends Nadia qui est coincée. Je crois qu'elle est coincée chez Promode, je ne sais pas. Donc, je vais voir ce qu'elle est en train de foutre. Voilà, parce que madame, quand elle rentre dans un magasin, ça plaisante pas. Hein. Donc voilà la petite pause au Costa Café avant d'aller bosser. Attention, attention. Tadam! Bon alors, ça te gêne pas de m'avoir traîné dans un magasin et d'avoir pris plus de temps que prévu? Non, c'est bon, t'as trouvé ta taille rapidement, donc c'est cool. Ah oui, non, parce que madame, elle traîne, hein, dans plusieurs magasins. Et en plus de ça, quand je suis sortie de chez Salut avec mon t-shirt, madame, elle me dit, ouais, je suis toujours dans le même magasin, etc. Non, elle s'était trompée de magasin, cet abruti. Non, j'étais dans le magasin à côté. Oui, mais tu t'es trompé de magasin, tu m'as c'est dit que t'étais chez Promo. Beaucoup d'achats, c'est pour ça. C'est bien. Moi, bon, les boîtes ont café. Oh, pardon. Oh, c'est qu'elle arriverait peut-être à me faire croire qu'elle est innocente. Mais oui, je suis jeune et innocente. c'est pas ma faute. Salut les amis. Jeune innocente. Non. Pourquoi? Bon allez, dépêche-toi. Bon allez, du coup, je vous dis à plus. Allez. Salutations. Yo yo. Alors. Re. Et donc c'est la fin de journée. J'ai mangé, la vie est belle. Ouh. Alors merci à toutes les personnes qui se sont présentées sur le live tout à l'heure, puisque comme j'ouvrais mon appli YouTube et que j'ai vu que le live était disponible depuis le mobile, ce qui n'était pas le cas précédemment, bah j'ai voulu faire mon petit test qui s'est avéré concluant. Donc c'est génial. D'ailleurs, je suis un peu conne sur par rapport aux petites vidéos de la journée, figurez-vous. Parce que au moment où je suis dans la cabine d'essayage, j'ai même pas précisé ce que je foutais là. En gros, il se trouve simplement que quand t'es geek et que t'aimes bien tout un tas de trucs, t'as pas tellement tendance à avoir des t-shirts classiques, à savoir unis. Et j'en ai tellement peu qu'il a fallu que j'aille en catastrophe à Saint-Lazare pour en acheter. Parce que... Bah j'aurais été ennuyée. Et encore, là j'ai de la chance parce que, comme vous l'aurez constaté en live, le poste est extrêmement calme, il y a très peu de passages, donc en gros, si je voulais, je pourrais limite venir en jogging basket. Limite, hein, évidemment. Je ne le ferai pas, rassurez-vous. Mais bon, toujours est-il que, même si c'est calme, il fallait pas non plus que j'arrive habillée n'importe comment, donc tadam. Et puis, je pense que c'est tout. Donc, pour vous rassurer un petit peu aussi, parce que c'est vrai qu'on m'a fait la remarque pendant le live, c'est vrai que ces temps-ci, les vidéos sont bien plus espacées que d'habitude.
Et en plus de ça, c'est vrai aussi que j'ai plus de mal à vous faire le même type de vidéo qu'avant. Parce que c'est vrai que ces temps-ci, bon, j'ai fait pas mal de coups de gueule, j'ai fait des lives, etc. Alors, rassurez-vous, c'est pas que j'ai plus rien à dire. C'est pas du tout ça. Je vous expliquerai, je pense, dans une vidéo à part entière, parce que ça peut être intéressant de s'interroger sur cette partie-là du processus créatif. Mais bon, de toute façon, rassurez-vous, tout va de mieux en mieux. Je ne suis pas encore sortie d'affaire pour tout ce qui concerne mes problématiques du quotidien, mais en tout cas, il n'y a pas de raison de s'inquiéter pour moi à l'heure actuelle. Et je suis toujours aussi contente de pouvoir poster des vidéos et de pouvoir discuter avec vous. Donc, vu que j'ai encore quelques projets, mais que je risque d'avoir des difficultés quand même à vraiment pouvoir les mettre en place, etc., comme j'en aurais envie, rappelez-vous qu'à tout moment, vous pouvez m'envoyer des messages privés, que ce soit sur la page Facebook, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Twitter, sur mon nouveau compte public. Si vous avez une suggestion, si vous avez une question, si vous avez quoi que ce soit, surtout n'hésitez pas. J'ai mes idées à moi, mais peut-être qu'il y a des choses que vous, vous trouveriez plus intéressantes. Sur ce, je vous fais des tas de grosses bises, je vous dis à très bientôt, et surtout, portez-vous bien, et si vous êtes en âge de voter, faut lire les programmes avant et faut pas voter pour n'importe qui parce qu'il y a des gens, c'est quand même des gros vilains. Ouais, en fait, c'était complètement débile cette fin, mais bon, c'est pas grave. Que voulez-vous? Allez, non, plus sérieusement, merci à vous d'être toujours là. Merci aux personnes qui sont là pendant les lives, qui postent des commentaires, etc. Je dis merci assez souvent, mais en fait, je trouve que c'est normal. Donc, merci à tous. Gros bisous et à très bientôt.